Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau épisode de Sons of Salza. On se retrouve du coup juste à la sortie de notre dernière quête. On s'en était plutôt bien tiré, on avait récupéré pas mal de stuff, j'ai fait un petit point sur tout le monde et réparé ce qu'il y avait à réparer. On va pouvoir continuer maintenant un peu nos aventures. Alors du coup, on n'a plus qu'une seule quête principale pour l'instant, ça veut pas dire que ça va pas nous tomber dessus à un moment. On avait des quêtes qu'on avait réussies. Pourquoi pas. Alors là on avait des fleurs à récupérer, là aussi, très bien. Et là c'était du côté de fleurs. Ça c'était le, oui c'était le Smith, le forgeron. On dirait qu'il va falloir qu'on retourne du côté de fleurs, parce que c'est surtout là qu'on a des quêtes. Alors je rappelle qu'on était dans cette zone pas forcément hyper en sécurité. Hein. Hop là. On va aller voir un petit peu si... Je sais plus si on était ennemi avec eux. Non, on n'était plus ennemi avec eux. On était... on avait réussi à redevenir à peu près... Pas trop ennemis, on va dire. Ceux avec lesquels c'est mort, c'est les Dib. Les Dacnes sont en train de se faire défoncer. Mais j'ai envie de dire que grand mieux leur face, hein, on s'en fout un peu. On va essayer de devenir pote avec les Nazirs, c'est quand même un peu eux les plus sympathiques pour l'instant. En plus, ils ont percé jusqu'à fleurs. Ça c'est des petits trucs. On va essayer d'aller du côté du désert, voir si on trouve pas les fleurs qu'on doit trouver là. Alors, elles sont où? Voilà. Dokkana Orchid, on en a 2 sur 3. Et on est censé en trouver du côté de Dire Spring. Donc du coup ça devrait le faire. Et Awaken the Splicter, il fallait qu'on trouve 5 Bitter Flower. Donc on va essayer de faire un peu attention à ce qui traîne par terre. Alors ici par contre, clairement les gens ne nous aiment pas. Après on est aussi assez costaud, donc c'est pas non plus trop grave. Avec les ressources qu'on avait, on n'avait pas quelques personnes qu'on pourrait éventuellement monter de niveau. Les prêtrises d'Ac, les Black Window, eux peut-être. Non, bah non, bien sûr, il faut beaucoup de fer. Elle, il y a peut-être moyen. Non, même elle, il faut du fer maintenant. Ok. Pouvoir filer un coup de main. Non, on a dit qu'il fallait pas filer des coups de main. Enfin, si, on peut pas les laisser se faire défoncer quand même. Puis on va quand même pas aider les méchants, ce serait vraiment abusé. On stun les petits cons. Ah là, vous allez m'en faire les mains. Hein. Putain, ils s'enfuient à l'autre bout du monde là. Ok, parfait. Ah, puis en plus on récupère un petit gift. Ça peut nous permettre d'aider les gens. Alors, qu'est-ce que ça a fait? On est descendu à moins 2 ici, et là, moins 32. Ouais, ça a pas changé drastiquement les choses, on va dire. Ici, il y a un ancien campement. Voyons voir.
l'occasion de récupérer un petit peu de loot. Ah, ça c'est cool. Des outils de forgeage, on prend toujours. Hein. Il faudrait qu'on aille vers d'ailleurs truc là. C'est complètement haut. Ah, il y avait aussi le mec avec son livre là, mais on sait absolument pas ce qu'il veut. Ouais, parce que forcément c'est un désert, hein, donc niveau plantes qui poussent, ça court pas le sable, on va dire. Ah, là il y a un truc, une rose. C'est cool, mais ça nous intéresse pas outre mesure. Ça c'est quoi? On sait rien visiblement. Des arbres à roues, ils sont partout en train de poursuivre les gens. Alors ici, pas des petites fleurs dans l'oasis? Non, apparemment non. Bien réussi le côté désertique de la zone. Ah, là il y a des trucs. Ça fait bouger le caillou. C'est juste une pierre ordinaire. Visiblement non. Un petit scorpion apparaît dessous la pierre, révélant quelque chose de brillant. On récupère 5 de jade, d'accord. Très très bien. Ça me va. Ici, on va prendre ça. On va essayer d'aller vers Dominance là. Qui a l'air quand même d'être un truc certes actif, mais au moins assez intéressant. Alors, y a des bandits, on s'en fout un peu. Les cactus, on peut pas les ramasser, hein. C'est marrant les petits événements comme ça sur la map qui font vivre le truc aussi. On va quand même pas être obligé d'acheter des foutues fleurs quoi. Alors là, on va prendre ça, on l'avait pas pris la dernière fois, je sais pas pourquoi. Ah là-bas il y a un truc. Faisons le tour. En plus, il y a du fer. Oui, on a réussi à récupérer la West Orcana. Alors, du coup, pour le rendre, faut qu'on retourne là-bas. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Faisons ça. On dirait qu'ils nous décessent pas trop, eux. On a de nouveau un talent. Fantastique. Plutôt politicien. Ici, il n'y avait plus rien à faire. Ça, c'est quoi? C'est rien du tout. J'ai pris le fer. Je sais plus si j'ai pris le fer. Oui, on est à 125, donc j'ai dû le prendre. Ouais, c'est bon, je l'ai pris. On va donc en finir avec cette petite zone noire et terminer. Ça va être peut-être un peu calme comme épisode, hein. De temps en temps. Sans la musique, elle est posée aussi dans le désert, ça fait du bien. Ok, encore pas mal de noir à découvrir. On va aller faire un tour par là. Alors, c'était toi qui avais ta quête qui voulait tes fleurs. Parfait, il y en a trois. Elle a fait sa potion. Deux bouteilles, de mana, de potion de mana toute fraîche. Vous demandez pourquoi je peux faire deux bouteilles. Parce que je suis le plus grand apothicaire du désert.
Et bah, j'en suis heureux. Je pense qu'on peut dire ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ce désert du coup? Il y a encore des trucs qu'on n'a pas découvert. Hein. On pourrait aller faire un tour là-bas. L'outpost du sud, peut-être des choses. Ah, là il y a des trucs. Ça sert à rien. On a déjà passé tout à l'heure d'ailleurs. Ah si, il y a une rose là. Elle brille pas les roses. Il doit sûrement y avoir un truc particulier avec. Va falloir que je fasse quelques combats si je veux récupérer des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette zone pleine de constructions bizarres? Un coffre. Et des mecs tout pourraves. Ah, ici on a un dragon. Voilà qui est intéressant. Mais il n'y a personne à qui parler visiblement. Peut-être pour une future quête. Du coup, j'ai complètement raté l'outpost. Hein. Ouais, effectivement. Le désert, c'est une des zones où on est le plus libre de se déplacer pour l'instant. Toutes les autres, il y avait des montagnes et tout, on pouvait pas aller. Là, vraiment, c'est open bar. Ah, ici, il y a une plante. Et du fer, parfait. Boum. On va pouvoir monter. Vous êtes level 23, il est grand temps que vous deveniez des High Priestess. Ah, merde, non, eux nous aiment pas. C'est vrai. Effectivement, mais il n'y a pas de quête. Du coup, est-ce bien intéressant? On va pouvoir se rebarrer vers les montagnes hein, aussi. Ils nous aiment pas plus, mais bon. Sinon, ça c'était dans les montagnes. Ouais, dans les quêtes à rendre. Et ça... Ça, il fallait qu'on arrive à trouver le mec. On va essayer de faire cette quête parce qu'elle est un peu relou. Enfin, le mec nous a un petit peu arnaqué, on va dire plutôt. Disons les choses. Donc on va retourner dans la zone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été... Zone de guerre, je pense on peut dire, où les Dacs ne se font piétiner la tronche. Il nous fait passer par les montagnes, j'ai l'impression. Alors c'est cool parce que les Akals, ils nous aiment pas, mais ils nous attaquent pas quand même, ils sont pas rouges. Ici, il y a un forgeron stressé. Alors, je dois faire cette livraison bientôt, mais je n'ai pas assez de phosphate. Je pense pas que j'ai de phosphate sur moi. Je vois pas bien ce que je foutrais avec du phosphate sur moi, en fait. J'ai du métal rare pour faire des armes magiques éventuellement, je sais pas si ça va t'intéresser. L'arme de mana, non. Je sais pas bien ce qu'il fout là le gars. Alors ici on a une potion de soin si je ne m'abuse. Oui, parfait. La quête nous dit que c'est par là. Allons-y. Ah, c'est ça, il nous fait passer par les montagnes. Bah tant qu'à passer pour les montagnes, on va peut-être prendre cette quête là avant. Ah, il y a peut-être des trucs à faire là. Coucou. Alors, un regroupement de bandits. C'est parti, on y va. On s'approche et on les défonce. Go!
cette violence. T'enfuis pas, petit arbalétrier. Parfait, on récupère un petit peu de loot. Bon, c'est pas fifou, hein, on va pas se le cacher non plus. Je crois que dans mon inventaire j'ai des cristaux. Un skill point. Ah ouais, alors je pense que. Alors, ça par contre, j'ai pas toujours pas très bien compris. Hein. C'est-à-dire qu'on peut donner des skill points à eux. Mais, bah voilà quoi. Tout est déjà débloqué. D'ailleurs, on voit bien qu'ils en ont un paquet de skill points. Peut-être que si on les recrute beaucoup plus tôt, c'est très utile, mais pour l'instant, ça ne me sert à rien. Ah, là-bas, il y a une fleur. On va la récupérer. Ah, Blue Serpent Flower. Il nous faut des Bitter Flower, c'est ça? Des Bitter Flower, ouais. Attends, je suis coincé par les arbres. Allez, on va ramasser le loot en passant. Ça, c'est quoi? Ah. On pourra libérer un prisonnier, mais il me semble qu'on est plein. Ouais. Alors, plus 100 tous les 3 niveaux, plus 6 quand on a un sultan, plus 10 quand on a un boss. Donc, je crois qu'on a le max tant qu'on n'a pas récupéré des... Enfin, tant qu'on n'est pas devenu chef d'une faction, un truc du genre, malheureusement. Ils nous aiment pas, donc attention. En même temps, ils seraient gérables, hein. Je peux les voir, non, je peux pas les voir. Ouais, il serait probablement gérable, mais est-ce que ça vaut bien le coup? Si un corps de grunt. Là, on a quoi? Un peu de sous qui traîne par terre. Les gens mettent leurs économies dans la neige, parce que pourquoi pas. Il y a pas mal de types de fleurs dans les montagnes. Intéressant. Ici on pourrait se faire un petit stock de bois. On va jeter un œil à Rapidos. Non, il n'y a rien du tout. Ah non, si, à le deuxième niveau il y a des trucs. Ouais, ok. On va les défoncer. Voilà. J'ai même pas eu le temps de recharger mes compétences. On trouve quand même 52 bois, ça c'est cool. On prend. Alors attention, là il y a un groupe qui sort. On va esquiver. Toi, c'est pas toi qui nous donnais des quêtes, fallait taper des grunts. Je vous le refais pas, hein, on l'a déjà lu plusieurs fois, mais par contre on va la prendre cette quête cette fois. Alors attention, ces grunts peuvent être extrêmement dangereux. Dweller A, Dweller B, c'est quoi ce truc? Sûrement une quête aussi. Alors, où est-ce qu'il est? C'est des traces? Ici il y a des trucs qui traînent. Tiens, j'ai pas regardé si j'en avais quelques-uns qui étaient blessés qu'il fallait soigner à tout hasard. Tiens, vous. Restore. Hop. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ok, tout le monde est en forme à part eux, nickel. Ouh, il y a du jade ici. On prend. Clairement, on prend. Voilà. Donc au début, je pensais que les bandits qui traînaient autour, il fallait forcément les affronter pour ramasser, mais en fait, absolument pas. On l'avait fait ce truc. On va le faire.
10 heures pour se préparer. On sait pas ce qui pourrait émerger du portail. On va faire, on va voir. Ils veulent nous amener dans leur dimension. Ah, on l'a peut-être déjà fait, je me souviens. Ça me dit quelque chose quand même. Oui, les espèces de petits... oui, c'est ça, les Cursed Queen, on les avait faites. C'est pas grave. Ça fera un petit peu de loot supplémentaire. Le petit heal... Ah, les personnages, ils sont vraiment puissants. On arrive même à convaincre certaines de nous rejoindre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bébé dragon de glace. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on va virer pour mettre ça? Alors, non, vous non, vous non. Les Vigalant. Peut-être les Spearmen. Les Wolf Alpha, non. Ils sont 8 quand même. C'est quand même très intéressant. Je pense que je vais virer eux, ils sont que 2. On peut combiner. Ouais d'accord, oui, on est d'accord, on peut combiner que des escadrons du même type. Et je peux la désactiver ou la convertir en expérience. On la convertir en expérience. Alors je sais pas si les couleurs autour ça veut dire quelque chose. Vous voyez qu'il y en a qui sont jaunes et d'autres qui sont violettes. Alors j'aurais tendance à penser que violette c'est peut-être les unités peut-être level max ou alors qui sont rares. Je sais pas. On va faire monter lui de niveau, on voit qu'on va lui donner 1856 XP, c'est très bien. Et on va tout de suite aller voir un peu ce qu'il fait de beau dans sa vie. Est-ce qu'on peut le promote? On peut complètement le promote, on peut le transformer en wyvern, après en dragon, et après en dragon de la toundra. 47 000 PV. Bah oui. Complètement. Complètement que oui. Il n'y a absolument pas photo. On garde. Alors. C'était là qu'il était. Attention, il y a beaucoup de monde, mais c'est que des gens qui nous aiment bien. Est-ce que c'est un coquillage? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous avez vu la mer. C'est pour vous, vous avez vu la mer. Très bien, il nous a donné de l'eau claire inconsommable. Ah bah je l'ai bu. Ok, très bien. Bah je sais pas ce que ça faisait, mais en tout cas, sûrement quelque chose. Du coup, on a récupéré des talents. On va prendre celui-là et on pourra prendre Dominance, qui va augmenter le coup critique, enfin les chances de critique de nos alliés de 10% pour 240 secondes. Ce qui est quand même pas mal parce que c'est rare que les combats durent beaucoup plus longtemps. Alors, ah oui, le camp des grunts, il est où ce camp des grunts? Du coup, on voit même pas sur la map. Là c'est la vallée des herbes. Je crois qu'il y avait un dragon là. Non. Alors on a des chances de faire tomber des trucs, mais pas vraiment ce qui nous intéresse. On va essayer de trouver la... le camp des grunts. J'imagine qu'il doit pas être très très loin de Kebui, donc on va aller faire cette zone noire là qui reste. Cette petite route qui monte dans la montagne. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, il y a plein de grunts. C'est quoi ça? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rally point dans la zone.
en cas de besoin. Tiens, il y a les Dibs qui sont en train de s'attaquer au Tur aussi. Au Sur, sur le Tur. Alors, ici c'est des cavernes rituelles. Ok, est-ce que c'est ça? Alors, une ancienne caverne qui a été fermée par un magicien, vous sentez du danger. On peut faire tomber une épée empoisonnée. Bleu, enfin cyan. Des emblèmes de chevalier mastigure. Nidal, ça a l'air sympa. Ancienne wand, 500, ouais, allez, on prend, on y va, ouais. Alors, pour changer, on va pas prendre Rick, on va prendre toi, toi et toi, tiens, vous trois. Allez hop, on va voir si vous, vous êtes capable de gagner votre pain. Berserker assaut, non. On rencontre des Yetis. Parfait. Ok, on les a bien défoncés et en plus on a du soin, on a vu notre mec qui se soignait au fur et à mesure. On va ouvrir le coffre. Ah, de la runestone, parfait. 60 d'ironstone, ça fait plaisir. Ils ont l'air plus résistants eux. Voilà, on va lancer un petit peu de trucs comme ça. Bon, ils ont buté les deux autres, mais on voit bien que ça y est, c'est nous qui sommes devenus les plus costauds. Hein. Le coup de la triple attaque qui fait des coups de griffe et de les flammes en même temps, ça fait toujours plaisir. Ah, on a récupéré une Poisoned Sword, ça m'arrange pas, j'aurais préféré une... J'aurais préféré une, un staff là pour notre gars là, qui a toujours son, son truc tout pourri, qui en plus être bien pété. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça donne cette épée Sword? C'est level 12, c'est pareil. Terror plus 10, Poison Attack plus 100%. C'est la même portée que notre blade là, qui est au final qui était censé être une dague. En fait, elles sont assez similaires. Hein. Mais bien que le poison et la terreur puissent être intéressants, je pense que je vais garder la, je vais garder celle que j'ai. Pour l'instant, en tout cas. Ah, et on a eu aussi une espèce de figurine, c'est ça? Quoi, c'est juste un objet? Ouais, c'est juste, juste un objet. Donc c'était pas là les grunts. Comme ça au moins on est fixé. Bah on va aller derrière là, derrière le village. Ah quoique il est illuminé le gars, donc peut-être que c'était ça qu'il voulait qu'on regarde quand même. Absolument pas. Ah non, c'est ici. Là. C'est ici que c'est illuminé par une par un truc, mais y a rien. Ah, on entend les deux personnes discuter. Oh. Ouais, qui est intriguant. Mon fils est tombé dans un piège qu'il avait fait lui-même. Ok, il se marre. Cet Udé est un bus. Un homme d'affaires honnête. Comment il a pu faire ça à son propre fils? Heureusement, il va être jeté en dehors de sa maison, sinon seul un désert pourrait venir. Alors, Udé, le genre de riche mécréant qui abandonne sa femme. Rien de sa femme. Elle était déjà enceinte avant même de rejoindre la famille. Ok. Voilà qui est intéressant. On a accepté une quête qui s'appelle Omar. Il faudrait qu'on vérifie les affaires de Udé le marchand.
fort bien. Bah il est là. Alors Omar, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le garçon qu'elle est Omar tient la... Tient la, la main de la femme dans une main et un couteau dans son autre main. Il presse le, la pointe du couteau sur sa poitrine. Très bien. Femme otage. Non, non, pardonnez-moi, je suis innocent, je ne veux pas interférer avec les affaires de votre famille. Innocent? Comment pourrais-tu être innocent? En restant juste là autour à rien faire, sauf monter les prix. Tu es juste greedy et une personne brisée. Moi aussi je suis innocent. Je voulais juste donner à ma nouvelle maman un bracelet qu'elle aimait. Je suis frustré et anxieux, mais je respecte mes parents. Alors il m'imagine qu'elle c'est la mère, Altaf. Donc elle tient son ventre, probablement parce qu'elle était enceinte. Je ne le veux pas, je ne le veux pas. Toi, contrôle ton fils et arrête de le laisser jouer avec la vie des gens. Alors... Est-ce que vous allez juste mentir à ce vieil homme comme un enfant râleur alors que vous pointiez le bracelet de cette femme en disant que vous ne retournerez pas à la maison si vous ne l'aviez pas? Putain, ça m'a l'air compliqué. Je donnerai le bracelet, je le donnerai et je le redonnerai même à la femme en tant que cadeau de mariage, mais laissez-moi partir. Quoi? Est-ce que tu ne viens pas de dire que ce bracelet avait pratiquement poussé sur ta main et qu'il ne pouvait pas être enlevé? Que ça prendrait 1000 utars? Non, 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 pas besoin d'argent, je l'enlève, Penelope, Penelope. Très bien. Ok, il laisse partir la femme et il a récupéré son bracelet. Mais c'est des gens sympas ces gens, dis donc. Omar, est-ce que tu n'as pas fait suffisamment de... Est-ce que tu n'as pas créé suffisamment de problèmes? Ok, elle enlève son bracelet et elle le donne au mec. Elle recule et le bracelet tombe sur le sol. Et lui, il la prend par l'épaule en essayant de la rassurer. Très très bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Est-ce que vous êtes effrayé par la piété de votre fils? Est-ce que c'était pas le bracelet que tu voulais? Je te le donne. Est-ce que tu ne le veux pas? Il est complètement taré le mec. Oh la vache. Omar, tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu penses vraiment que c'est bien de menacer des gens dans la rue avec un couteau? Oui, en effet, je le pense. C'est tout à fait normal d'abandonner une femme et son fils. Alors après tout, pourquoi pas ça? C'est très très arbre. Visiblement, lui a dû abandonner sa femme, j'imagine, et son fils est complètement pété un plomb après. C'est totalement ma faute, je ne devrais pas avoir élevé un fils aussi fou. Ton allure, ton attitude, en gros il regrette rien, donc une repentante, son attitude où il se repent pas, montre que tu ne mérites pas de vivre. Ok, il enlève un sabre d'un de ses gardes du corps, il prend le sabre d'un de ses gardes du corps et le pointe à Omar. Ah ah, tu veux combattre? Il attrape la lame avec sa main, et même si il tient fermement, même si ça commence à saigner. J'ai toujours voulu te combattre depuis très longtemps. Tu n'as aucun honneur et tu ne mérites pas de vivre. Et là on a la mère d'Omar qui dit « Omar, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Bosse ton couteau. » Alors, il retire sa main ensanglantée. Alors, elle regarde Uday et lui dit « Rentrons, on ne veut pas causer de problèmes ici. » Des problèmes? Tu penses que je suis dans les problèmes. On parlera de ça à la maison. Go! Regarde à quel point ton fils... Regarde quel bon fils tu as élevé.
Alors, Omar serre les poings et commence à s'en aller, mais sa mère le stoppe. Non, j'imagine qu'il devait. Non, il devait commencer à retourner vers le gars, j'ai mal traduit, excusez-moi. Oh, j'étais vraiment très effrayé, rien de ton fils. Il est cruel et vicieux. Il est né comme un jeune maître et il est devenu une brute. Très bien, Taf. Tu es prête à donner naissance, donc surveille ta tension. Ne t'inquiète pas de ce petit imbécile. Et ensuite, il crie à tout le monde à quoi, qui vous regarde, qu'est-ce que vous regardez? Le spectacle est terminé. Tout ça est un peu bizarre. Alors, il donne 300 utars pour combattre le fils. Quand il était petit, il était déjà suffisamment mauvais, mais maintenant, c'est devenu pire en pire. Le regard qu'il avait quand il tenait cette épée. Est-ce que personne n'est suffisamment brave? Est-ce que tout le monde est effrayé? Alors en fait, on doit ramener un paquet. Ok, amenons un paquet. Je vais vous donner 300 utards dès maintenant. J'espère que tu tiendras ta parole. Si jamais je découvre que tu as pris l'argent sans compléter la tâche, tu ne pourras plus jamais revenir dans les Agros Mountain. D'accord, donc j'imagine que cette quête, on est censé la faire avant de partir, sinon, ça gueule. Ça tombe bien, on allait au nord, hein, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.